de nous accorder cette interview, surtout que vous avez pris le temps d'observer un tout petit peu le centre d'entraînement de Coton Sport de Garoua qui est en pleine transformation. Quelle impression lorsque vous arrivez ici? Déjà de satisfaction, parce qu'il faut le dire, c'est une chance que le Cameroun puisse justement débaucher de l'organisation du Dakar. Aujourd'hui, les Garoua particulièrement, pour avoir, pour pouvoir abriter l'espace des installations pour la compétition 2019, c'est vraiment une très grande chance. Donc, Garoua est déjà se métamorphose déjà sur ce plan. Et peut-être qu'on ne voit pas sur le long terme, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer, mais avec le temps, natif d'ici, je vais dire que c'est un sentiment plutôt de satisfaction de voir que la ville est en pleine ébullition peut-être, non, ou alors la ville connaît une grosse transformation quand vous la regardez avec celle que vous avez connue et celle qui est aujourd'hui, je vais dire empreinte de satisfaction. Oui, c'est ce que je dis et je confirme et je sais justement que ça se développe plus que ça, mais déjà il faut le dire, c'est très salutaire. Donc Garoua a déjà changé et il changera encore quand les infrastructures seront déjà réceptionnées, finies totalement. Et comment nous allons vraiment y profiter comme cela souvent. Spécifiquement le Coton Sport, vous en êtes plutôt satisfait davantage? Très satisfait, il faut vraiment le saluer parce que le Coton Sport déjà sur le plan national est un club déjà physique, un très grand club déjà sur le plan africain. Même comme on n'est pas encore, on n'a pas encore eu affaire à décrocher un titre africain. Mais je pense que nous sommes sur la voie et bénéficiant justement de ces installations supplémentaires, Garoua va connaître vraiment un très 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 grand changement. Et le football en particulier va pouvoir bénéficier parce que nous allons voir d'ici là des jeunes talents naître davantage dans le football. Voilà, et donc vous, en tant qu'ancien Lyon, indomptable, connu, vous avez joué plusieurs Coupes d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, le Cameroun aura ainsi l'honneur d'abriter cette compétition-là. Quel est le message que vous passerez aux Camerounais, pour certains qui n'ont jamais vécu l'ambiance de ce qui va se faire dans quelques mois? Bon, il faut le dire, hein, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, ça date de très longtemps. La dernière CAN que la Cameroun a pu organiser, je crois que c'était en 1972. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous revenons encore sous scène. Et donc, nous allons revenir effectivement si les choses d'ici là vont pouvoir voir le jour. Et nous pensons que tout Camerounais sera très fier vraiment de vivre la compétition en direct. Vous avez foi en ce que le Cameroun aura? La foi, elle est là. La foi, elle est là. Donc, le Cameroun va pouvoir justement nous organiser la CAN 2019 comme cela se doit. Donc, maintenant, les autres trucs qu'il y a dans le à faire, c'est-à-dire c'est à tout un chacun de pouvoir s'adonner pour que les choses s'accélèrent et que d'ici là, nous puissions avoir déjà des infrastructures achevées et pour pouvoir déjà mettre sur pied les équipes, les centres de sélection vraiment capables de pouvoir nous honorer le moment venu. Un autre message? Bon, le message qu'il y a, moi je dis, là vraiment, vous savez que la Coupe des Nations, ce n'est pas seulement une affaire de footballeurs, pas seulement des affaires de footballeurs, pas seulement des affaires des entreprises, pas seulement l'affaire, n'est-ce pas, des politiciens. C'est l'affaire de tous les Camerounais, sans exception. Et nous avions, n'est-ce pas, le devoir et l'obligation de pouvoir tout faire pour que la chose puisse être prête le jour J. Et pour ma foi, je pense qu'il nous est donné, c'est une grande chance pour nous, en tant que technicien de la chose, de pouvoir nous démontrer une fois de plus que le Cameroun regorge des grands talents de football. Donc tout le monde doit être justement, doit s'impliquer sans réserve pour que la chose puisse justement être belle au monde.
Merci beaucoup. C'était cool. Mais ils sont vêtus, ils choisissent même parfois de ne pas, de pas mettre les chaussures ou les casques. Vous allez demander, là, ils vont vous. Bon courage à vous.